Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. L'accès à l'information est un droit. Soutien na secrétaire général ya parti Augustin Kabuya. Même titre que bande qu'on a biso ya force du progrès baïke parlement debout ainsi que ba structure informelle moussous oe zaranakati ya IDPS. Ndenge na outé ko bandeli avant que tout ça la déclaration na biso ya soutien to kozwa ba question ya ba journaliste oe ko consiste principalement na ko yeba tina l'activité na biso ya lelo to lobi activité na biso ya lelo ezali d'abord pona ko répondre na appel ya tata mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asengi na bande ko nyonso oyo nyonso azo se reconnaître congolais a soutenir ye na moment oyo crucial toza na ngona niveau ya mboka ndenge boyebi mboka ezali agressé asengi na ba jeune ba kota na niveau ya armée to bundisa monguna to bengana monguna mosika et puis ami balé moi makelé les hommes qui semaine oyé li susuté biso lelo to ye koloba ete CG Augustin Kabuya za fruit ya consensus CG Augustin Kabuya zali choix ya son excellence monsieur le président de la république to lingi to respecter ba statut ya IDPS to ndima o ezali pose ya mokonzi ya mboka oyo aplasaki CG Augustin Kabuya azale siko ya zali amema biso ti na élection. Merci mingi toza siko na disposition ya ba journaliste. Là la première question, la deuxième question, que prévoit exactement le règlement du parti quant à ce? Merci. Merci, je réponds directement à votre question. L'IDPS se porte à merveille. Il s'agissait tout simplement d'une manipulation. La situation est redevenue au calme. Les instances officielles du parti ont siégé et les décisions sont tombées. L'IDPS, c'est un parti où la démocratie se vit à l'interne. Ce qui s'est passé, c'est inhérent à la vie de chaque parti politique, de chaque formation politique. Là où les hommes et femmes existent, vivent, c'est normal qu'il y ait des petits soucis. Mais le problème est résolu parce que nous nous conformons au statut du parti. Il ne revient pas à un citoyen membre de l'IDPS soit-il, de se réveiller un bon matin et s'arroger les prérogatives qu'il n'a pas et décider de désavouer ou de déchoir le secrétaire général du parti. Les statuts de l'IDPS sont clairs. Pour faire une telle démarche, tout est prévu dans nos statuts. C'était de la comédie
une pire aventure et aussitôt les instances du parti se sont réunies et ont procédé, ont pris plutôt des sanctions à l'endroit de ces fauteurs de troubles. À ce jour, retenez que l'IDPS se porte bien et l'IDPS a un seul patron qui s'appelle Augustin Kabuya. Il ne revient pas à Messier Wakwenda, notre papa, de déchoir à titre personnel. Parce que je précise que c'est une démarche personnelle. Le secrétaire général du parti. Les statuts de l'IDPS sont clairs. Si je ne me trompe pas, à l'article 27, il est clairement expliqué ou dit lorsque le président du parti est dans une situation d'empêchement, qu'est-ce qui doit être fait? Et c'est dans ces conditions-là, après l'exclusion définitive du parti, du président AI, pour ne pas les citer, les instances du parti se sont regroupées. Je cite le secrétariat général représenté par M. Augustin Kabuya, la CDP représentée par notre aîné Victor Wakwenda et la commission électorale permanente du parti représentée par notre aîné Maître Jacquemain Chabani-Louk. Ils ont décidé à l'unanimité de renouveler leur confiance à M. Augustin Kabuya. Après le départ ou l'exclusion du président AI, Kabuya n'est pas devenu CG de son propre gré. C'est cette structure-là qu'on appelle triumvirat, qui est prévue dans les statuts de l'IDPS, qui s'est réunie, qui s'est décidé de confier la gestion de l'IDPS à M. Augustin Kabuya. Dites-moi, à quel moment précis cette structure-là, le triumvirat, s'est réunie conformément au statut pour retirer la confiance à M. Augustin Kabuya? Même alors, dites-moi, à quel moment la commission de discipline de l'IDPS s'est réunie pour déchoir M. Augustin Kabuya? Quels sont les griefs à sa charge? On lui reproche quoi? La démarche-là ne respecte pas les statuts de l'IDPS. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une manipulation. Mais nous, à l'IDPS, les Baïké, Baïébi, de quoi je parle? Ba manipulakabi sauté na IDPS. IDPS, certes, démocratie, to vivakango na katia IDPS, mais biso na IDPS, to za parmi batu oyo Baïébi, c'est quoi un état de droit? Baïébi, nini o ba bengi mibeko, to respectaka mibeko, même na katia IDPS, to banda ako respecte mibeko na katia IDPS. Et Mibeko, awa, il s'agit na ba statut ya IDPS. Nulle part na ba statut ya IDPS, boko mon na disposition moko, oyezo pesa ndingisa, nandeko, Victor Wakwenda, papa na biso, asala oya sali. Yango biso to libe, izala ki théâtre, izala ki blague, ba structure formelle ya parti, ba se réunir, ba prendre ba décision. Monsieur Augustin Kabuya Azali CG ya IDPS, le seul patron oyo azo gérer IDPS oyo azui de la part d'autorité de référence ya parti mandat ya ko gérer parti yewana et azo bénéficier na soutien na biso bana ya dynamique de Tshisekedi c'est modéré. DTM, PA, IDP, c'est Mobimba. Merci. Et les partis politiques. L'IDPS, certes, est aux commandes du pays, puisque
l'autorité de référence de l'IDP se trouve être président de la République démocratique du Congo, mais il faut faire un distinguo entre l'IDP et la gestion du pays. Puisque cette précision-là est très importante. Si on était à l'époque de Mobutu, on pouvait accepter de faire Mobutu, on pouvait accepter cela parce que le MPR était un parti État. Mais l'IDP n'est pas un parti État. L'IDP ne peut pas commencer à faire ce que l'État doit faire. L'État fait ce qu'il doit faire. Vous voyez sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, les efforts qui sont déployés par son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que le gouvernement de la République. Le gouvernement fait son travail. Mais nous, en tant qu'IDP, fait privé, qu'est-ce que nous devons faire? Je rentre dans la DTM, dynamique de Tshisekediste et modérée, où j'ai plein mandat de parler. La DTM se lance dans la mobilisation. Voilà pourquoi on s'est retrouvés aujourd'hui dans cet endroit. On commence d'abord par ça. D'autres actions viendront. Le chef a lancé le message, l'autorité suprême, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, pour dire l'air est grave, nous sommes agressés. Ne soyons pas distraits. Jeunes gens, venez vous enrôler au sein des FARDC. Nous nous disons, cet appel-là tombe à point nommé. Nous devons encourager les jeunes à adhérer au FARDC. Parce que nous devons faire face à l'ennemi. L'air est grave. Et nous prenons cela avec beaucoup de considération. Nous prenons cela très au sérieux, madame. Le pays est agressé. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous réunir aujourd'hui pour dire aux premiers citoyens de la République qu'il peut compter sur notre soutien, que les jeunes sont avec lui, que les jeunes vont se faire recruter, vont se faire enrôler au sein des FARDC. Et la guerre qu'on nous impose, l'agression dont nous sommes victimes, nous disons comme le fait présent, M. Laurent Désiré Kabila l'avait prédit, Bitumbao et Kozonge Sika et Outaki. Nos agresseurs regretteront d'avoir fait la guerre à la RDC. On peut passer directement à la déclaration. C'est ce qu'il dit, qui soutient la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Appelons les jeunes à soutenir l'appel du commandant suprême en s'enrôlant massivement aux forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23. L'air est grave. Nous disons encore, l'air est grave. Nous devons mettre de côté tout ce qui nous divise et protéger notre mère patrie, qui est la République démocratique du Congo. Lorsque le sang des Congolais coule, c'est le sang des Congolais tout court. On ne sait différencier celui d'un opposant et de quelqu'un du pouvoir. Nous appelons nos combattantes et combattants à la vigilance. Ne cédons pas à la manipulation des politiciens en mal de positionnement. La DTM, à travers sa coordination nationale, invite les combattantes et combattants de l'IDP Tshisekedi, tous les Baïkés, à soutenir M. Augustin Kabuya, secrétaire général du parti, étant donné qu'il est non seulement le fruit du consensus, mais également et surtout le choix de son Excellence M. le Président de la République et autorité de référence du parti. En ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays, nous devons travailler plus sur l'unité au sein du parti.
Car une armée divisée ne peut pas gagner un combat. Les échéances électorales approchent à pas de géant. Nous devons canaliser toutes nos énergies pour assurer une victoire écrasante à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à nos candidats aux législatives nationales et provinciales. Nous mettons en garde tous ceux qui jouent aux troubles faits en cherchant à déstabiliser les partis de feu Docteur Étienne Tshisekedi du Wamulumba. Nous renouvelons notre soutien et loyauté à M. Augustin Kabuya, secrétaire général du parti. Que vive la RDC, notre pays. Que vive l'UDPS Tshisekedi. Que vive la dynamique de Tshisekedi, c'est modéré. Pour la DTM, la coordination nationale.